la foi qui me fait vivre. Si quelqu'un a péché le 22 avril, sanctifié par sa vie. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1. Lorsque nous serons revêtus de la justice du Christ, nous n'aurons aucun goût pour le péché, car le Christ travaillera avec nous. Nous pourrons faire des erreurs, mais nous haïrons le péché qui a causé la souffrance du Fils de Dieu. Si celui qui communie chaque jour avec Dieu s'écarte du chemin, s'il s'éloigne un instant de Jésus, ce n'est pas parce qu'il pèche volontairement, car lorsqu'il s'aperçoit de son erreur, il se retourne et fixe ses yeux sur Jésus. Et le fait qu'il se soit trompé ne le rend pas moins cher au cœur de Dieu. Il sait qu'il est en communion avec le Sauveur. Et lorsqu'il est réprimandé pour son erreur dans une affaire de jugement, il ne marche pas d'un air maussade et ne se plaint pas de Dieu, mais il transforme l'erreur en victoire. Il y a ceux qui ont connu l'amour de pardon du Christ et qui désirent vraiment être des enfants de Dieu. Mais ils se rendent compte que leur caractère est imparfait, leur vie défectueuse, et ils sont prêts à douter que leur cœur ait été renouvelé par le Saint-Esprit. À ceux-là, je dirais, ne reculez pas dans le désespoir. Nous aurons souvent à nous prosterner et à pleurer aux pieds de Jésus à cause de nos défauts et de nos erreurs. Mais nous ne devons pas nous décourager. Même si nous sommes vaincus par l'ennemi, nous ne sommes pas rejetés, ni abandonnés, ni rejetés par Dieu. Non, le Christ est à la droite de Dieu, qui lui aussi intercède pour nous. Le bien-aimé Jean a dit « Je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et n'oubliez pas les paroles du Christ, le Père lui-même vous aime. Jean 16, verset 27. Il désire vous amener et vous ramener à lui, voir sa propre pureté et sa sainteté se refléter en vous. Et si vous vous soumettez à lui, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à bien jusqu'au jour de Jésus-Christ.